Et salut les amis, c'est Maxidas, on va sur les aventures de Darksiders War Mastered Edition. Dans le précédent épisode, nous avons fait le deuxième rayon du trône noir. Visiblement, ça prend plus long que je l'aurais cru. Et maintenant, nous nous apprêtons à faire le dernier. Je sais pas si c'est immédiatement à celui-là, je sais d'ailleurs même pas s'il y aura des combats ici. On va un peu vite, donc je crois qu'il n'y aura pas de combat. Une fois que vous avez votre attaque, c'est bon, il n'y a plus rien à craindre des petits ennemis comme ça. D'ailleurs, où est-ce que ça en est la faute? Ah, on a un peu plus de la moitié, très bien. Je sais pas si vous voyez, ouais, mais ils ont l'effet... là, elle a un effet de couleur sang. Là. L'effet, justement, ou celui-là, là, l'épée, quand elle y est, justement, c'est... Ça rend plus flagrant. C'est encore plus flagrant. Tant pis, j'ai mieux faire. Oh tiens, il y a un truc au profil de la salle. D'accord. Ah c'est le truc, ouais, c'est le truc. Il est au-dessus. Bon, je sais pas si on peut le récupérer maintenant. Je crois qu'on peut le récupérer qu'à la fin. Déjà là on va tâcher de faire cela. Oh putain. Mais pas manqué. Attaque, en fait il faut qu'il donne un coup pour paralyser. Et bien... si vous lui donnez un coup en fait tant qu'il attaque, tant qu'il fait rien, c'est plus énorme que votre chemin. Voilà, bon, il y a plus de bouclier. Voilà. Ah bah bien. Alors. Cela est fort.
Le problème étant que comment qu'on fait pour... Ah, je peux accéder ici. Ah, yes. Faut le faire tourner comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas... On peut pas l'utiliser maintenant. On peut pas l'utiliser maintenant. Pas le but, ce n'est pas le but, ce sera pour plus tard. On va se contenter de faire le truc qu'il faut faire pour le moment. Là, je crois qu'il faut utiliser. Non, c'est là. Oh, merci. Allez. Voilà. Voilà, on a eu du vol. Pile au bon timing. Voilà. On a un combat, j'imagine. Bah tiens, mais pourquoi pas. Évidemment. Jamais une blague, c'est incroyable. Oh putain. Oh, le mec à l'armure est un pestilence, c'est ça. Merde, non, mais je voulais pas comme ça. Je vais utiliser ça. Là, la faux pour en deux. Hop, on a plus qu'à améliorer
la petite. Le petit, pardon, gantelet. Et voilà. Il est idiot de venir ici. Bébé. Merci. Les gars aussi. On a pas fini. À cause de ça, non mais merde. Oh, il me refait faire le truc. Mais t'es sérieux? Non, là c'est débile. Putain. Bon d'accord, j'ai compris. Quand on tombera sur ces deux-là, c'est bon, j'utiliserai ma petite. Casse-pied. Putain, attends, ça a annulé mon truc de faux. Oh putain, mais même ça, ils me l'ont tiré. Mais merde. Pff, c'est débile. Putain, on se fait chier à faire un combat pour rien. Quoi. Ouais, super. Allez, on recommence tout. Quel temps de merde là.
feu là, on va pas s'embêter. Je crois qu'il a démonté vite fait bien fait moi. Hop, venez là. Ma foi, elle s'est pas améliorée. Ah, elle est sur le point. C'est bizarre. Je sais pas. Bah, c'est peut-être en fonction de notre coup, finalement. Je saurais pas vous dire. Pourquoi du coup ? Je ne sais pas. Ah, le fait de faire tourner, ça fait quelque chose. Notamment le fait, normalement, d'ouvrir à certains endroits. J'aimerais bien comprendre, je sais plus ce qu'il faut faire ici. Ah, d'accord. Voilà, c'est peut-être pour ça. Putain, la caméra de... Voilà. C'est Dieu. Ah.
Voilà. Par contre, c'est dommage qu'il y ait toujours la même animation pour les tuer. Qu'il y ait pas un truc plus badass à chaque fois, ça aurait été sympa. Et voilà. Là ils sont pas foulés pour celui-là par contre. Ça aurait pu être un peu plus compliqué quand même. Non. À grimper en haut en fait pour pouvoir justement accéder au truc. C'est là qu'est le sushi. Ah, on peut y accéder à partir de là, je crois. Non, dans je pense. Ouais, de là. Voilà. Il faut déclencher celui-là. Là, comme ça, on chopera celui qui est en haut. Lui, il donne quoi en fait? Ah, d'accord. Un artefact de champion. Ouh. Donc, là, le truc, c'est que... Oui, voilà, c'est ça. Il faut... Voilà. Il faut ralentir le temps. On va pousser le truc. Ce qui va permettre d'ouvrir la porte aussi en même temps. Voilà, comme ceci. Hop là, on redescend avec tout ça. C'est très laid ce qu'il y a à trouver. Et du coup, ouais, voilà, ma faux, elle est encore qu'au niveau 2.
Alors qu'avec tous les ennemis qu'on a affrontés, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Je crois que c'est vraiment en fonction du nombre de coups. On dirait que ton utilité arrive enfin à son terme, Azrael. Et comment comptes-tu quitter la tour une fois Straga éliminée? Straga et la tour ne forment qu'un. Même si tu parviens à le battre, tu es coincé sans moi. On a besoin de lui. Prie pour que le cavalier ne revienne pas vivant. Et voilà, ça m'a fait vivre, on va affronter Straga et on revient. Un petit soin. Et on fait le boss de ce dernier donjon. Straga. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est l'espèce de gros démon dans le premier épisode qui nous a tués en fait. Le gros truc géant là. Les moments d'ascenseur qui sont inutiles quoi. Et nous y voici. Straga. Ah, vous avez un joli indice. Faire plus fort que dans les souvenirs de Straga. Mais ici, tu affrontes Straga sans le moindre espoir de victoire ou de fuite. Straga est le plus puissant des élus du Destructeur. Et le dernier. Ton maître a bien mal choisi. Voilà. Straga va adorer te tuer de nouveau. C'était pas assez clair. Quand il lève son marteau, tac, et voilà. Oh Straga, tu es un peu
Voilà. Ah bah dis donc. Hop là. Alors. Tac, tac. Tac, tac. Ça craint. Comme je le disais, Straga et la tour ne forment qu'un. Voyons si je peux encore être utile. Vous pouvez pas venir m'aider avant, plutôt ?
Il est venu me voir après sa mort. Abaddon, vivant. Et je voulais tellement y croire. Ah, quel idiot j'étais. Azrael, vous avez vu Abaddon après sa mort? Si je l'ai vu, je l'ai amené ici, dans l'Éden. À quel jeu joues-tu, Azrael? L'Éden n'existe pas, n'existe plus. Pauvre ignorant! J'ai vu quand les premiers hommes se sont fait chasser et le jardin tomber en ruine. Je ne pouvais pas laisser le don originel des cieux et la plus grande arme simplement pourrir ou sombrer dans les ténèbres. Alors, je l'ai caché. L'arbre de la connaissance. Alors, Abaddon s'est approché de l'arbre. Tu dois utiliser ses dons à présent. S'il existe un moyen d'arrêter le destructeur, l'arbre te le montrera. Je n'ai jamais osé l'utiliser moi-même. Si je l'avais fait, il en aurait peut-être été autrement. Et Abaddon, quel don a-t-il reçu? Je ne pouvais pas le savoir. Chaque personne qui s'approche de l'arbre reçoit un don différent. Certains n'obtiennent rien, d'autres deviennent fous à cause des visions, ou sont simplement détruits. Non, je ne peux pas l'affirmer. Viens. Ok, Tsami. Bon, et ben voilà. On en apprend donc un peu plus. Nous sommes donc à l'Éden, mais ça, je suis désolé, on le fera dans le prochain épisode. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao Tsami.